Je m'appelle Julien Deneyer, je suis médecin spécialiste ophtalmologue depuis une dizaine d'années. J'ai créé mon centre privé ophtalmologique, donc la clinique du Bois de la Vecquier, depuis fin de l'année passée, et dans la région de Namur. J'ai décidé de créer vraiment une clinique avec des infrastructures qui valent largement les infrastructures hospitalières et donc forcément le bloc opératoire va avec. Et donc on a vraiment créé un bloc opératoire avec des cabinets autour, donc c'est vraiment les normes les plus élevées qui existent pour les patients en privé et dans la province de Namur, c'est une première. On a aimé ce projet, c'est la première fois que LSB réalise une salle d'op clé en main ophtalmologique en Belgique. Et surtout, voilà, avec cette vision turnkey project, donc la partie enveloppe de salle, la partie HVAC, la partie ELEC, du recueil du besoin jusqu'à la qualification complète. Donc en fait, la clinique a été élaborée autour de la salle d'opération et on a construit autour. Donc évidemment, qui dit salle d'opération dit salle de réveil, dit vestiaire évidemment, vestiaire patient, vestiaire chirurgien. Salle de stérilisation. Et alors la conception principale donc, de la salle d'opération, c'est une salle d'opération intelligente. Donc ils ont pensé à mettre un panel de gestion au niveau du bloc opératoire, un peu comme un smartphone. On a l'image, on a du son, donc on a des ambiances pour relaxer les patients. Où on sait gérer le passage ISO 5, ISO 8 très facilement. Et donc non seulement en plus de la sécurité, il y a une facilité déconcertante à pouvoir gérer l'environnement du bloc, la stérilité du bloc et garantir ces normes qui sont assez élevées. LSB a parfaitement géré le planning que j'avais imposé malgré mes consultations qui avaient déjà débuté en septembre. Et ils sont totalement adaptés aux horaires de consultation, donc ils venaient soit très tôt le matin, soit très tard le soir et parfois les week-ends. Donc le projet est parti d'un appel d'offres pour faire un clé en main. On a géré l'intégralité des corps d'état, plus les différentes modifications techniques qui ont été nécessaires. On partait d'un projet fini en construction et on a travaillé aussi avec l'architecte Adriano Crimi pour pouvoir ajuster certains locaux et pouvoir intégrer avec les cloisons existantes nos besoins et pour gérer au mieux l'espace client. Donc l'élaboration de la clinique a été vraiment un long chemin, donc on est vraiment content d'être arrivé au bout. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans des infrastructures hyper perfectionnées qui répondent aux normes les plus élevées et dans quelques jours, j'opérerai mes premiers patients au sein même de l'établissement. Donc c'est vraiment un long chemin, ça a été très bien fait, mais finalement, donc entouré de bonnes personnes, c'est vraiment le plus important. Ouais.